le parfait abonné, voilà. Hop, je m'abonne, je mets la cloche, hop, je clique, je sub, je prends le premium ultime, faites pareil les potes. Voilà, le premium ultime. Quoi? Mais juste la cloche et la select, ça suffira mon pote. Allez, salut. Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Regarder. C'est un nouveau compte PSN et c'est un abonné qui me l'a offert. Du coup, voilà, c'est juste amazing. C'est un compte avec je sais pas combien d'argent. Avec un compte avec 300 millions de dollars. Regardez, là on est dans son hangar. Donc le mec a full laser. C'est abusé. Donc il m'a offert il y a quelques temps. Je l'ai vu dans mes mails. Et franchement, merci à toi mon poteau. Tu vas te reconnaître, tu vas reconnaître ton compte. Frère, merci, c'est énorme. Je vais pouvoir faire des trolls et tout, ça va être sévère. Donc voilà, merci infiniment mon pote. Du coup, on va monter dans un petit laser. Je vais vous montrer ces garages. Et ce compte PSN, ce compte GTA, est un compte de malade, de ouf. C'est un truc de ouf. Déjà, regarde le hangar, frère. Déjà, juste le hangar, full laser, ok. Donc déjà, t'arrives sur GTA Online, t'as un avion de chasse, déjà. Par exemple, on va être dans le QG. Et vous allez voir, c'est vraiment un truc de malade. Donc voilà, c'est énorme. Donc un garage full laser. Ouais les potes, c'est pas parce que j'ai fait un serveur RP que je vais faire que du RP hein, sur la chaîne hein, les gars. Au contraire, moi j'ai fait un serveur RP. Comme ça je peux faire ce que je veux. Je peux faire du PC mode menu. Je peux faire du PS4 troll, du PVP. Je peux faire du PVP PC. Je peux essayer de faire de la rage. Je peux faire du RP. Je peux faire des events. En fait je peux faire tout ce que je veux sur GTA quoi. Tout ce qui est possible et imaginable, je peux le faire. C'est pour ça que j'ai fait un serveur RP, c'est pour qu'on s'amuse et puis que je puisse faire tout ce que je veux. Pour jamais faire toujours la même chose, tu vois. Alors merci, hein, il s'appelle DT, hein. Il a toutes les armes MK2 et tout. Ouais, il a tout débloqué. Apparemment, il a plusieurs comptes, ce poteau. Donc il m'a dit, ça me dérange pas de te filer celui-là, parce que j'en ai plein d'autres. Donc en tout cas, c'est super gentil, frère, parce que... Payer 1 milliard de microtransactions, payer 1 500 € de microtransactions pour me faire spotted en 2 semaines et que je sois obligé de changer de compte, ça fout. What the fuck, regardez. Donc il a un garage full oppressor, c'est la MK1, full oppressor standard. What the fuck. Bon, vous inquiétez pas pour le personnage, je vais pouvoir recréer mon personnage dessus. Vas-y, je vais juste prendre une oppressor, on va aller voir un autre de ses garages. Oh, c'est assez amazing, j'ai envie de dire. Fait du bien de revenir sur GTA Online après un mois à gérer le serveur RP. Je vous avoue, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir refaire du PVP. J'ai envie de faire du PVP parce que tu sais, sur le RP, tu fais très peu de PVP. Très peu de fight. On va aller où? On va aller là. Je suis pas là, bureau, je suis pas là. Il y en a plein d'autres qui m'ont envoyé leur compte, mais de tous les comptes que j'ai eu, c'est vraiment le compte le plus full. Full monnaie, full truc. C'est juste, j'arrive, je fais mon perso et boum, c'est parti, on fight quoi. Alors qu'il y en a, ils m'ont filé des comptes, mais c'est vrai que parfois, tu vois, je suis bloqué parce que j'ai peu d'argent, j'ose pas trop dépenser leur argent. Du coup, je suis un peu limité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, je pense que si j'achète une voiture, ils s'en foutent, tu vois. On va voir son troisième garage. Mais c'est ce mec, c'est un troller, hein. C'est un génie troller, frère. Il a des garages remplis de véhicules de troller. Genre, il y a le garage de laser, le garage de oppressor. Et vous allez voir, il y a sûrement d'autres garages encore. Je me souviens, cet oppressor, déjà, quand il était sorti, on disait que c'était un peu abusé. Merde. On disait que c'était déjà un peu abusé de pouvoir voler comme ça avec une moto. Derrière, ils ont fait encore pire, quoi. Oh, putain. Ah, c'est pas étonnant, je me fais attaquer. J'ai un parachute avec l'oppressor. Bah, on va le savoir tout de suite. Lol. Non. Ah, si. Ouais, bah, je viens de jouer à Warzone. On peut déployer son parachute au dernier moment, là c'est pas pareil. Hein. On va y aller à pied, j'arrive pas à aller dans ce putain de garage, je vais devenir ouf. Je suis quand même déçu les potes de la PS4 Pro parce que je l'ai acheté pensant que GTA 5 serait opti dessus. Et malheureusement non, ils ont fait aucun patch, aucune mise à jour pour la PS4 Pro. Du coup c'est la même qualité que si tu joues sur PS4 normal. Et moi je suis extrêmement déçu parce que voilà, on voit bien, regarde, tu vois bien quand je tourne, je suis pas à 30 FPS constant quoi. Tu fais des 20 FPS. Et donc en toute honnêteté c'est un peu frustrant, surtout pour un joueur PC. Moi j'ai économisé pendant que je travaillais là, parce que là je suis en confinement donc je travaille pas pour le moment. Mais je me suis payé une machine de guerre, tu vois, et c'est vrai que bon bah quand t'es habitué à faire du 60 FPS 2K ou limite 4K, c'est vrai qu'après quand tu retournes sur du 30 FPS 720p et encore 30 FPS,
C'est pas tout le temps quoi, dès qu'il y a des explosions c'est le bordel quoi, vous connaissez quoi. J'espère que du coup ils vont faire une mise à jour sur la PS5 et ils vont sortir GTA 5 sur PS5. Je m'en bats les steaks, je le rachète. Mais par contre il faut qu'ils patchent, faut que ce soit plus agréable à jouer à l'œil, parce que là charge. Oh, what the fuck. Ouais, il a des belles bagnoles. Des belles bagnoles hein. Il a du goût. Je crois que celle-là elle a un léger nacré là, j'apprécie ça. Je suis en train de visiter ma nouvelle maison en gros. C'est à partir de ce compte là que je vais faire des trolls. En tout cas si vous voulez me filer, donner ou prêter comme vous voulez votre compte, vous pouvez m'envoyer un mail à jean-kevin-gtao@netcourrier.com. Je réponds pas tout de suite les gars, je teste le compte le jour où je suis en galère de compte. Boum, je regarde les gens qui m'ont envoyé des comptes et je me connecte dessus. Parce que c'est assez relou pour moi, je suis obligé de retaper le prologue alors que je l'ai déjà fait 70 fois hein, depuis la sortie de GTA. Donc quand je dois refaire le prologue, j'avoue je suis un peu en PLS. Ouah, c'est pas mal ça hein. Je crois qu'il m'a autorisé à modifier le personnage hein. Je crois que ce compte il s'en fout. Enfin voilà, lui il a d'autres comptes et tout. Voilà, ceux qui ont des comptes et qui jouent pas, hein, n'hésitez pas à me l'envoyer, ça sera toujours utile pour troller les Kikou. Puis en plus, ce qui est ouf, c'est que du coup, je change de pseudo tout le temps. Du coup, bah, pas facile, hein, de savoir quand c'est moi et quand c'est un fake, tu vois. Pas fait. Et puis c'est abusé, les gars, c'est que je joue sur une manette PS4 sur PC et sur PS4, mais dis-toi, c'est pas du tout le même gameplay. C'est-à-dire que la sensibilité des sticks n'a rien à voir. Alors moi, je pensais que je peux m'entraîner sur PC pour Rox sur PS4, mais non, rien à voir. PS4 c'est PS4, PC c'est PC, ça bouge pas pareil, lol. Bon en tout cas je suis très content, hein. Les 400 000 ça fait plaisir. On va route de tous 500 000, troll en masse de Kikou. Je fasse gaffe, il y a des MK2. Alors, comment on fait pour rentrer dans ce garage? Ah, what? Oh le bug Rockstar, oh le bug. Ah oui non, ça c'est l'entrepôt, il pose les caisses, je suis con. Allez go garage. Putain ça pique les yeux, pourquoi? Je suis en mode boost hein, sur... Oh merde, il y a un insurgent. Je suis en mode boost hein, sur PS4, ça change rien. C'est... Waouh, regarde, ça pique les yeux. Mais en fait, vous vous rendez peut-être pas compte que... Vous regardez sûrement ça sur... Bah, sur un téléphone. Moi, je suis sur un grand écran, là. Pouah, ça pique les yeux, je te jure. C'est pas très confort. Mais bon, c'est pas grave, on va tenir jusqu'à la PS5. La semaine prochaine, je vais sûrement faire des crash tests sur l'online, les gars. Parce que la semaine prochaine, je suis pas chez moi. Je vais profiter du déconfinement pour revoir un peu ma famille et donc je vais emmener mon setup portable. Ah oui, oh putain les gars, avant de terminer la vie... Quoi? Garage est vide. Attends, mais tu sais quoi? On va pas perdre de time. Eh vous savez quoi les gars, j'ai acheté un casque HyperX, vous savez, et j'ai une qualité de micro dégueulasse. Et le casque il a coûté quand même 70 balles ou un truc comme ça. Est-ce que vous avez un bon casque USB avec fil s'il vous plaît, j'aime pas les trucs à batterie. Est-ce que vous avez un bon casque USB à me conseiller? Les potes, avec une bonne qualité de micro, si vous pouvez m'envoyer des exemples. Parce que j'ai besoin d'avoir un... J'ai un setup mobile, en gros. En gros, j'ai un setup mobile. J'ai mon gros PC. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo setup, un de ces quatre. Hein, si ça vous intéresse, que j'ai racheté du matos hein, avec en travaillant. Hein. Et donc voilà, je ferai un setup. Mais voilà, j'ai mon setup mobile, j'ai mon PC portable. Que je peux relier à ma PS4 avec le boîtier, là. Je peux streamer tout, mais j'aimerais bien avoir un micro, voilà, pas embarquer mon micro à perche et tout, là. Mon gros micro, j'aimerais bien avoir un casque micro de qualité, donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, je regarderai, parce que le micro HyperX que j'ai, franchement, il a une qualité horrible, frère. À chaque fois, on me fait la réflexion. Dès que je fais une vidéo, on me dit, ouais, c'est dégueulasse, donc je conçois, je comprends. Voilà, ça me permettrait de, par exemple, partir dans les Bahamas et enregistrer des vidéos GTA. et faire du montage, lol. Les potes, je vais regarder Pegasus. On va regarder les vidéos, les véhicules qu'il a. Hello, sur son Pegasus, donc véhicule armé, insurgent, limousine armée, pick-up armé, Crusader, Blizzard Attack, Valkyrie, Volatus, Cargo Bob, avion Vélum, Laser, Hydra, Midjet, Bessra, Titan, bateau Dinghy, remorqueur, service Dune Globe, et en sous-marin il a le Kraken, donc voilà, il a énormément de véhicules. Maintenant on va appeler la mutuelle pour voir les véhicules qui sont cassés, parce que il me semble que j'avais déjà joué un peu à ce compte, avec ce compte. Et merde. Mais putain, Rockstar. Putain, le système de téléphone, faudra changer ça pour GTA 6. Et du coup. Alors, garage de fonction, donc. Zantorno. Laser, ok. Non, faut que j'appelle le mécano. Au cas où j'ai raté un garage ou un truc. Parce qu'il y a la boîte de nuit aussi, on peut mettre des bagnoles dans la boîte de nuit. Mais il me semblait qu'il avait un garage rempli de voitures volantes aussi. Ah ouais, voilà, voilà, il y a plein de trucs, regarde. Complexe. Truster Kanjali ici. Deluxo. Tu vois la Deluxo?
Il y en a 12 000, c'est un compte troll. Deluxo. Abusé. Oppressor. Deluxo, putain. What, mais c'est un malade, il a acheté combien de Deluxo, quoi? Il a 35 Deluxo, quoi. What? Voilà les potos. Donc c'est tout, je vais pouvoir faire des petits trolls offline avec ça. J'essaie de pas le mettre en live, parce qu'en live je vais me faire stalker, mon pseudo il va fuiter. On va me griller, je vais encore tout perdre. Donc voilà les petits potes, je vous fais des gros bisous et je vous dis bah à bientôt, vous allez voir un hein, crash test, un peu de RP, du troll, du PVP, il va y avoir un peu de tout. D'ailleurs je vais juste pour terminer la vidéo au moins tuer quelqu'un. Nathan. Salut Nathan. Ça va? Wesh. Wesh bien ou bien? Bah allez. Allez tous les potes.